Bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui avec un autre all nose. Bon, c'est pas le même. Alors, je vous montre ce que j'ai trouvé. Premièrement, un petit pinceau. Normalement, c'est pour le maquillage. Il était 1,50 € et je me suis dit tamponné sur les pochoirs, à voir, mais bon, je l'ai pris. On verra bien ce que ça donne pour 1,50 €. Ensuite, j'ai trouvé un petit puzzle pour ma petite fille. J'ai trouvé l'image très sympa. C'est un 60 pièces et il était à 1,50 € quand elle vient à la maison. Ça va changer des perlamas et du coloriage. Donc voilà le petit puzzle. Ensuite, je suis tombée sur du, c'est de la jute, toile de jute noire, toile de jute, n'importe quoi. Ça commence. La twin en jute, en noir. Et ça, c'est la première fois que j'en trouve. Donc les deux étaient à 1,89 €. Alors, c'est 2 mm et il y en a combien? 101 mètres de chaque bobine. Donc, il y a de quoi faire. Et puis en noir, c'est super rare. Enfin, moi, pour ma part, j'en trouve pas. Ensuite, j'ai retrouvé du scotch à 1 €. J'en ai repris un seul. Voilà. Donc, je l'ai essayé, il est super bien. Celui que j'ai mis dans mon dévidoir montre. Donc à mon avis, on le retrouve chez Nose pour cette raison. C'est, je vais enlever ça. Attendez. Hop, oups. Donc on voit que c'est décalé là. Donc il y a une mauvaise fabrication. Je pense que c'est pour ça qu'on le retrouve chez Nose. Mais il colle. Très bien, il n'y a pas de souci. Parfait. Je le remets. Hop, ça y est. Vous voyez, il y a un décalage. Je ne sais pas si on le voit là en vidéo. Je vois pas. Mais bon, il y a un décalage là. Voilà. Donc pour 1 €, parfait. J'ai pris mon petit stock. Ensuite, la base du crayon en papier, hein, Bic, 50 centimes les 4. On en a toujours besoin. Alors, ensuite, je suis tombée sur de la Oui Crème, Wepam. La semaine dernière, je n'y avais pas. Hein. Donc là, c'est de la rose. Voilà, c'est fait dans, comme en pâtisserie, en fait. Hein. J'ai trouvé aussi ce qui va avec. Une douille. Donc il y avait plusieurs formes en douille. Bon, je vous parle de la douille après. Je m'éparpille. Donc là, c'était à 2,99 €. Alors, est-ce qu'il y a tout fait? Oui. Donc ça se. C'est comme ça. Donc ouais, c'est vraiment une douille, quoi. Une douille. Une poche. Donc voilà, ça fonctionne avec une douille. Donc là, c'est il y a plusieurs formes, je pense, de douille. Oui, voilà, on voit là. Selon la forme de la douille, on fait des différents dessins. Donc il y avait celle-ci. Et puis il me semble que j'ai trouvé. Voilà. Hop, vous allez rien voir. Hein. J'ai enlevé du plastique. Peut-être plus sympa. Hop là, voilà. Donc celle-ci, c'est peut-être, je ne sais pas, pour faire des traits ou pour faire peut-être des pétales de fleurs. Je vois bien ça, moi. J'irai voir sur internet. Donc il y avait cette forme-ci. J'ouvre l'autre. Et cette forme-ci, ça me fait penser à pour faire de la chantilly, celle-ci.
deux formes là, en douille et en crème de Wepam. Il y avait du rose et l'autre c'était chocolat. Voilà, il n'y avait que ces deux teintes là. Donc je vais tester sur. Attendez, est-ce que je l'ai à proximité? Je regarde, oui. Donc je voudrais tester sur ce moule que j'avais trouvé la fois d'avant. Alors, je le déballe. Hop! Je me dis que sur ce moule-là, pour faire la dentelle, enfin un apron, avec cette Wepam, elle est toute molle, on dirait de la chantilly. Trop bien. Je me dis que pour faire ce moule, ça pourrait être sympa. Donc j'essaierai. Je ferai peut-être une vidéo avec ça. J'essaye la Wepam Wicrème. Donc voilà. Donc j'en ai pris deux de chaque. Soyons fous. J'ai plus de place. Hop, je range. Voilà. Et dernière chose, deux dernières choses. Cette fois-ci, j'ai craqué sur les big matrices de découpe 6X. Donc j'ai pris ce feuillage et j'ai craqué sur la fleur. Je me suis dit qu'avec les fonds patouille en mix média, ça pourrait faire des choses très sympathiques. Voilà. Et ça, c'était 4,99 les dies. Et j'ai regardé hein, sur internet, prix neuf, ils sont à 25 euros quand même hein, ces dies. Donc intéressant. Mais bon, moi j'avais que ces deux-là. Bon, celui-là, c'est vrai qu'il est simple. Mais bon, à voir comment. Parce que j'en ai hein, des dies feuillage. Mais je ne sais pas la grandeur. Donc j'essaierai. Je vous ferai voir ce que ça donne. Voilà pour mes derniers achats Nose. Je suis très contente déjà d'avoir trouvé la twin noire et puis la crème de Wepam que j'essaierai. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Puis là, c'est un long week-end de 3 jours. Donc profitez-en en espérant qu'il y ait un peu de soleil. Chez moi, ils ont prévu de la pluie, mais bon, c'est pas grave, j'ai du rangement à faire. C'est étonnant. Et puis des tests. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Bonne fin de journée. Et puis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.